Nous sommes en direct live avec Carole qui nous a rejoint du collectif informel Réseau des possibles pour nous parler de cette fête qui a lieu ce week-end, fête des possibles, qui va avoir lieu à Arpaillargues et Aurillac. Alors avant de parler de tout ça, euh, Carole, c'est quoi ce collectif informel Réseau des possibles eh bien, en fait, c'est un réseau informel parce qu'il s'est pas encore structuré juridiquement, mais qui réunit une, une vingtaine ou trentaine, ça dépend un peu, d'associations du territoire de l'usage qui militent pour la transition écologique, sociale et démocratique. D'accord. Voilà. Et donc il y a deux événements donc, euh, qui, qui mobilisent ce collectif. C'est d'abord la fête des possibles une fois par année et puis le signe des possibles qui a lieu tous les mois. Au cinéma Le Capitole à Uzès. D'accord. C'est un gros truc, quand même. Ah, là, c'est un gros truc, ouais. C est, c est un, alors, si, si j'ai bien compris, c'est un collectif euh, qui recense pas mal d'associations à l'intérieur de ce collectif-là, c'est ça? Ah, C'est un collectif qui recense des associations qui militent pour la transition. Vous avez des gens qui s'occupent du social, des gens qui s'occupent d'écologie, euh, des, des gens qui s'occupent euh, des, des animaux, de, de la recyclerie. Voilà, il y a, il y a toutes sortes d'associations qui se sont mises ensemble de manière informelle. Mais en ce moment, euh, il y a un élan comme ça qui se fait et on, on a des velléités de commencer à le structurer un peu plus juridiquement. Pour qu'on ait. Plus de choix. Voilà. Eh oui, d'accord, oui, oui, non, mais c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement euh, ce week-end dans cette fête des possibles Alors, c'est une fête donc, qui a lieu dans le parc de Charles de Gaulle de Arpaia, qui est un très joli parc d'ailleurs. On remercie la mairie de nous, la mettre à, de nous le mettre à disposition. Et donc, de, le public arrive à 14h et il pourra euh, se promener dans le parc et visiter les stands de différentes associations. Et puis, il y aura aussi des food trucks, il y aura une buvette. Et le soir, on fait un baltrade, justement, pour faire la fête. Parce qu'il nous semble, à tous et à toutes, qu'aujourd'hui, la joie est quelque chose de très important. Et c'est même un acte de résistance. Il ne faut pas se résigner, être morose. Au contraire, il faut faire la fête. Est-ce qu'on peut dire que c'est un événement où on fait fonctionner un petit peu son cerveau plus que sur d'autres événements alors on apprend des choses, effectivement, si on ne s'y connaît pas en écologie ou en social. Mais disons que cette année, on a quand même voulu que ce soit un peu actif et ludique. Donc on a, par exemple, un atelier de, de fabrication de tawashi. Donc c'est des... Comment dire C'est des éponges faites avec du, des, du, des tissus recyclés. On a aussi euh, un jeu avec les nichoirs d'oiseaux. On a aussi euh, une judothèque qui va proposer des jeux de plateau. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore On a un atelier clown pour les enfants, un atelier clown pour les adultes. On a une, un atelier de fabrication d'hôtels à insectes euh, que les gens pourront emmener chez eux où on, et puis on en fabriquera aussi un grand pour qu'ils puissent rester dans le parc. Voilà, et il y aura aussi une démonstration de breakdance. Donc on a vraiment envie d'attirer un public jeune et moins jeune qui, qui comprenne notre engagement. Alors, je vois aussi qu'il y a divers ateliers et des tables rondes avec des grosses thématiques comme être. Il y a euh, un atelier vers 14h30, euh, grosso modo, mode de fonctionnement et de gouvernance collective. Comment euh, favoriser l'engagement au sein de nos structures associatives Et puis, il y a aussi un atelier euh, rêve du futur. Imaginons ensemble l'avenir de notre territoire. Euh, il y en a aussi plein d'autres à venir que lorsqu'on fait ces tables rondes, lorsqu'on participe à, ce, euh, à, à ces ateliers. Qu'est-ce qu'il en résulte Est-ce que c'est juste pour... Euh, Échanger ou à la fin, on obtient quand même quelques résultats où on va aller chercher quelques résultats Alors, on a voulu faire des, des, des ateliers qu'on a appelés agora parce qu'on n'a pas voulu que ce soit des spécialistes ou des experts qui viennent nous faire une conférence et qui nous donnent des choses intéressantes et puis après, voilà. Donc, on a voulu vraiment faire des agora, c'est-à-dire que c'est très participatif. Euh, le premier donc euh, c'est pour les modes de fonctionnement de gouvernance, on aura euh, plusieurs euh, associations qui, qui travaillent déjà ensemble avec une euh, mode de, de choix et mode décisionnaire qui est différent d'un mode hiérarchique. On a aussi euh, un maire, euh, voilà une, un café associatif. et donc ça va se faire euh, sur le mode du débat mouvant. Donc, c'est où tout le monde va participer. Et, 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 et donc, euh, le débat mouvant, on pose des questions et, le, et le, le groupe se divise selon sa réponse à la question. Et on, on voit comment ça bouge. Et en fait, euh, on peut aussi, comme ça, apprendre des autres, parler de nos, nos difficultés, parler de nos réussites et pouvoir échanger avec d'autres acteurs et avec le public aussi qui pourra tout à fait euh, 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 intervenir dans ce débat. Et pareil pour le deuxième agora, celui de 17h30, qui est lui plutôt sur comment élaborer des projets de transition, mais en ensemble, hein, parce que vraiment la Fête des possibles, c'est pour créer du lien. On se rend compte aujourd'hui qu'il faut créer du lien. On ne peut pas tous travailler dans notre petit silo. Il faut vraiment qu'on se mette ensemble, qu'on s'organise, qu'on mutualise nos ressources. Peut-être moi, je suis très fort en informatique et vous, vous êtes très fort en communication. Donc, on peut euh, voilà faire des échanges. Et donc, ça, ce sera euh, aussi avec u, u, des, des mairies, euh, des, des, des buvettes, euh, des bars associatifs qui vont aussi participer. Alors, ça, ce sera sous la forme d'un cercle de samoin qui est une manière différente de débattre, c'est-à-dire euh, il y a cinq chaises et avec quatre personnes assises et une chaise vide. Et puis les personnes parlent. Et s'il y a quelqu'un du public qui a envie de venir partager quelque chose, il va venir s'asseoir sur la chaise vide. Et à ce moment, il y a une des quatre personnes qui doit s'en aller. Donc il y aura toujours une chaise vide pour que justement les gens du public viennent témoigner ou poser des questions et que ça fasse quelque chose d'interactif qui soit moins euh, ouais. avalé la connaissance ouais, ouais, mais c'est plus... une façon originale d'ailleurs donc c'est ça qui euh, ça vaut vraiment le coup euh, là on voit vraiment que c'est euh, une c'est un événement qui sort un petit peu des autres événements on va dire populaires qu'on a la chance de pouvoir présenter qui toutefois est très intéressant aussi euh, s'il y a des euh, présidents d'associations diverses et variées sur l'environnement, si euh, des nouvelles associations comme ça euh, qui ont envie de participer à votre collectif, euh, est-ce que sur place ils pourront euh, prendre les renseignements nécessaires pour participer à votre collectif ou pas Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on. on, on, on... On circoncie un peu notre action sur le territoire de l'usage. Mais enfin, ils peuvent de toute façon venir pour partager leurs réussites et, et, leur, et leurs difficultés et, et échanger avec, euh, avec les autres euh, personnes des associations parce que c'est ça vraiment qui, qui nous fait monter en compétence. Et est-ce que le poids de votre collectif est important lorsqu'on veut faire vraiment passer des messages ou lorsqu'on veut rentrer dans euh, du concret c'est-à-dire que oui, on, on a vraiment envie de mobiliser, par exemple, les jeunes, beaucoup d'associations aujourd'hui, partout, disent qu'ils ont un peu de difficulté à recruter des bénévoles, que les jeunes ne sont pas très présents. Alors je ne pense pas que les jeunes ne soient indifférents. Euh, à, à l'écologie, à la démocratie, au social, mais simplement ils ont une autre manière de fonctionner et donc c'est vraiment ça qu'on qu essaye de faire, c'est de, de, de créer du lien avec eux et de leur montrer que on est prêt à transformer nos manières aussi pour, pour les inclure. Ouais, alors on est on est quand même dans un monde un petit peu bizarre, hein, puisque euh, à l'heure où il y avait le Covid, tout le monde se disait, euh, on va être tous collectifs, on va fonctionner différemment. Au fin du Covid, on est tous redevenus euh, individualistes à 100%. Euh, aujourd'hui, il y a cette euh, manifestation euh, qui arrive euh, avec ce collectif qui nous propose bah, pour une fois de se rassembler, d'échanger, de partager des savoir-faire, de s'entraider, pourquoi pas, ce qui devient une denrée un petit peu rare, il faut le dire quand même, aujourd'hui. Et on espère que 2025, sera un petit peu meilleur en termes de collectivité pour pouvoir fonctionner tous bien ensemble parce que ça c'est aussi très important. On rappelle l'événement qu'il faut pas manquer c'est absolument euh, ce week-end le 14 de 14h à 23h. Euh, on va situer ça, se situe exactement euh, euh, dans le gare Arpaillargues et Auréac. C'est euh, par rapport à Nîmes, quelques, quelques kilomètres du Zès. Quelques kilomètres du Zès. Bon, bah voilà. Euh... Alors, si rajouter deux choses d'événements. Oui. oui, Carole. Il y a euh, une gratiféria. Donc une gratiféria, c'est un genre de marché aux puces gratuit mmh. où les gens amènent des choses qu'ils ont envie, qui n'ont plus besoin, et peuvent reprendre des choses dont ils ont besoin. On peut aussi que amener et ne rien prendre. On peut aussi venir et prendre sans rien donner, c'est vraiment une idée de, de, de partage, euh, voilà. Et puis il y aura un atelier aussi dans la même idée de réparation de vêtements. Et puis je voulais aussi encore dire un mot, si j'ai le temps, de l'atelier de rêve du futur. Et donc ça c'est un, un, un rêve comme un peu euh, une, la sophrologie où les gens qui vont s'inscrire vont pouvoir à, à être guidés. À imaginer un futur dans lequel ils ont envie de vivre. Donc, pour essayer voilà, de, 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 de mettre quelque chose de positif et d'imaginer un territoire dans lequel ils feraient bon vivre. Et après, il y aura une restitution de, de, de ces rêves que ces personnes vont faire. Et bien voilà, c'est tout bien sympa. Je vous rappelle que sur tourismegare.com, vous pouvez retrouver toute la teneur de la programmation qui est très, très riche. Euh, c'est euh, la fête des possibles, c'est ce week-end, c'est ce qu'on vous conseille. En tout cas, si vous voulez euh, faire gagner le fameux reportage chaque jeudi soir, je vous le rappelle, euh, nous offrons la possibilité aux organisateurs d'accueillir une équipe de télévision directement sur leur événement pour en faire la promotion. Et si vous votez le chiffre en haut à droite de votre écran, le numéro 2. Nous enverrons bien sûr une équipe de télé directement sur place et vous pourrez faire gagner le reportage à Carole qui lui servira de moyen de communication pour la saison prochaine. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup à vous de m'avoir sollicité pour parler de ce bel événement.